aujourd'hui je suis avec Unknown. Et moi je m'appelle l'inconnu. Et aujourd'hui on va vous présenter une notion des maths. Super important. C'est clairement les maths, c'est hyper important. Les maths et la vie, and the life, it's country. Ok, c'est parti, on y va. Et aujourd'hui, on va vous présenter le... discriminant. Et qu'est-ce que le discriminant, monsieur Unnow? Eh bien, c'est très simple. Le discriminant, qui s'appelle delta, sert à trouver les racines d'une fonction du second degré. Plus souvent dit, sous la forme ax au carré plus bx plus c. Tout à fait. On la calcule de la manière suivante. Donc, pour calculer le discriminant, il faut faire delta est égal à b au carré moins 4 fois a fois c. S'en suivra donc 3 résultats possibles avec... 2 hours later. Avec soit delta supérieur à 0, soit delta est égal à 0, soit delta inférieur à 0. Donc si delta il est supérieur à 0, il y a deux solutions qui correspondent aux deux racines de la fonction au carré. On procède de la manière suivante, on fait x1 pour la première racine, moins b moins racine de delta sur 2a. Et ensuite, on fait x de 2 moins b plus racine de delta sur 2a, qui nous donnera les deux racines. Donc, il y a possibilité que le discriminant soit égal à 0, donc ici, x, il est appelé x égale 0, et pour calculer ce discriminant, il faut faire delta qui est égal à moins b sur 2a. Enfin, si delta il est inférieur à 0, alors la fonction f de x n'a pas de racine et donc il n'a pas de solution. Ce qu'on en conclut donc que la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Ah, et donc la courbe elle va faire sans toucher l'axe des abscisses. Et ouais, l'effet spécial. Tout à fait inconnu.